Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Sega Rally 95, enfin le tout premier Sega Rally. Mais, vous l'aurez compris, cette fois-ci nous allons jouer sur PlayStation 2, ce qui est un peu paradoxal, vous allez me dire. Et en fait, il faut savoir que c'est un CD bonus qui était fourni avec le jeu Sega Rally 2006, qui était sorti à l'époque sur PC, PS2, PS3, et peut-être même aussi sur Xbox 360. Et du coup, ça nous permet de revisiter l'épisode 1 en version presque, bah on va dire arcade, hein, puisque ça ressemble beaucoup à la version arcade au niveau graphique. Donc des textures un peu mieux, voilà. Donc c'est parti. Sega Rally Championship. Allez, on va faire start. Bon, la vidéo sera assez courte, juste pour vous montrer un petit peu le jeu, même si vous l'avez déjà vu évidemment avant. C'est pour voir un petit peu la différence avec la version Saturn. Donc on a un mode championship, mode practice, on va faire le mode practice. Alors c'est marrant, c'est qu'ils me disent... Manessen, Rude, je sais pas ce que c'est. C'est pas, on va prendre practice. On sait le mode arcade, donc en gros on a quelques secondes pour choisir la voiture, notre circuit. On va commencer avec la Lancia. Et on a trois circuits, Easy, Medium, Expert. Je vais vous montrer l'Expert en premier, puisque du coup, comme c'est un jeu assez difficile, c'est même pas sûr qu'on arrive jusque là. On peut changer de vue avec la touche L1. Et donc c'est parti. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, le jeu est quand même bien plus joli que la version Saturn, beaucoup plus propre, moins pixelisé, évidemment la résolution est beaucoup plus élevée. Comme je le disais, on se rapproche beaucoup de la version arcade qu'on pouvait avoir à l'époque. Alors il y a quelques légers bugs graphiques, il faut vous en rendre compte pendant la voiture, il y a une petite tache noire. C'est parce qu'on est sur PS2 et c'est de l'émulation comme d'habitude. Et quand le jeu tourne, alors vous n'allez pas forcément voir sur la vidéo, mais le jeu tourne à 60 fps constant. Et ça c'est vraiment ultra agréable hein, si on se réfère aux 30 fps moyens de la version Saturn. Là, on était avec la Lancia, alors c'est qui est un petit peu différente à piloter, mais ça sort plutôt pas mal. De toute façon, si vous voulez faire des bons temps sur ce jeu, il faut jouer en manuel parce que le fait de ne pas pouvoir trop bouger les vitesses, on perd vraiment beaucoup de temps en accélération. Alors là, on est en automatique, vous aurez compris, mais si vous voulez vraiment gagner le jeu, il faut absolument être manuel. Vous voyez que bon, il n'y a pas trop d'effet de. On a un joli effet de transparence sur les voitures, enfin, je vais dire vite, hein, mais bon. Un peu plus propre que sur la version Saturn. On a quasiment pas de pipi non plus. Je vais faire un deuxième tour, mais vous allez voir qu'on va recommencer tranquillement à se diriger vers un game over. Je suis quasiment pas d'erreur. Alors on l'a tapé. Alors vous aurez peut-être remarqué aussi quelque chose. Bon, c'est très léger, il faut vraiment avoir l'œil. Mais en gros, normalement la qualité vidéo est bien meilleure. Enfin, bien meilleure, elle est meilleure qu'avant. Je pense avoir trouvé un bon réglage cette fois-ci pour enregistrer les vidéos avec une qualité un peu supérieure. Je me suis rendu compte vraiment sur la dernière vidéo qu'on a faite sur la série Formule 1 1994. Bon, ça bave. Et quand j'ai fait cette vidéo, faut savoir que c'est pas la première fois que je l'ai fait, c'est la deuxième fois. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros problème. Et voilà, c'est un échec, je vais même pas réussir à faire de tour. Ça sera normalement plus joli que ce que ça devait être à la base sur la première vidéo que j'avais faite. Et toujours, hein, ce game over ultra mythique. On va faire start, on va faire un mode championnat pour voir un petit peu les deux autres circuits. On va prendre cette fois-ci la Toyota Corolla, non. Comment elle s'appelait cette Toyota? Je sais plus. Bon, c'est pas grave, on va passer quand même. Toyota Celica, voilà, GT4. C'est la version d'ailleurs de 95, hein, puisqu'elle a été. Enfin, fin 94, début 95, puisque le modèle que vous voyez là est sorti fin 94 au championnat du monde de rallye. Début de saison, ils avaient encore lancé un modèle. D'ailleurs, c'était Oriol qui avait été champion en 94 avec cette voiture. Donc, c'est en 95 Naples de Cap, et c'est Colin McRae qui avait remporté le titre chez Subaru. Donc, on est 4 titres d'affilée pour McLinen, Mitsubishi. Et
pas très bien commencé. Hein. On n'en est pas compte, mais le fait d'avoir touché une petite voiture déjà, j'ai perdu une seconde ou deux. Et c'est vraiment. Je vais taper, super. C'est vraiment agréable d'avoir un jeu avec des graphismes revus. Surtout qu'en fait, le maniement n'a pas bougé, on est vraiment à un maniement similaire. Mais aussi, ouais, ces affichages. Le fameux hélicoptère à l'époque était assez impressionnant pour la piste. Ils ont aussi conservé les ombres totalement noires. Il n'y avait pas d'effet dégradé ou d'effet transparent. On sentait énormément le grip, la perte de grip sur le jeu, hein. Après je dérape, ça y est, c'est fini. D'ailleurs c'est assez horrible, parce que normalement on est censé jouer un petit peu à l'analogique, c'est-à-dire avec une direction progressive, même au volant, c'est beaucoup plus pratique. Et là, comme c'est pas le cas, je tourne d'un seul coup assez fort et la voiture dérape beaucoup plus et surtout perd beaucoup en vitesse. C'est vraiment le gros problème. Je suis complètement loupé. Là, pareil. Donc on va au moins finir ce circuit là. En général, quand vous finissez à moins de 5 secondes du dernier circuit, vous êtes sûr quasiment de ne pas y arriver sur le troisième. C'est pour ça que je vous l'ai montré avant. Déjà, on arrive à faire un tour avec cette voiture, ce serait pas mal. On est déjà à 7 secondes. Ah, pousse-toi là, on tire. Ah, vraiment, les dernières secondes, c'est horrible. Si vous vous souvenez de ce que j'ai fait juste avant, vous allez vous rendre compte qu'on est en bas. On a déjà une à deux secondes de retard. Donc... À 7 secondes pour arriver jusqu'à la fin, sans dire que c'est fichu. On va échouer sur la ligne droite juste avant la fin, voilà. C'était juste après qu'il fallait réussir. Et Langue with Tyrell, je n'ai jamais réussi à finir ce jeu. Ça fait au moins 10 vidéos depuis que je fais, ou 20 vidéos, enfin, sur différents supports, ou même tentatives sur la vraie console. Je n'ai jamais réussi à finir ce jeu. Non, ça paraît pas difficile en fait, il y a juste 3 courses à faire. Et bien, dites-vous que la dernière, la troisième, je suis entraîné, mais au moins 300 fois. Je n'ai jamais réussi à faire 2 tours aussi. Hein. Alors peut-être qu'il y a des réglages à faire, mais j'ai pas l'impression, hein. Si je regarde sur les côtés, il se passe rien. Start Select, il se passe rien. Enfin voilà, on n'a rien d'autre. Bon, quoi qu'il en soit, vous aurez compris, c'était donc Sega Rally. Alors on est à peine à 10 minutes de vidéo, mais bon, vous connaissez le jeu, donc c'était pas la peine d'aller trop loin. Donc c'est le jeu en plus beau, en plus fluide, en plus propre, mais ça reste le même jeu que la version arcade. On fait juste un petit tour avec la Lancia et puis on se quittera là-dessus. Vous remarquez qu'il y a encore les sponsors pour la Saturn aussi, c'est assez marrant. Alors les sons des voitures sont différents aussi, hein, vous vous rendez compte, elle est un peu plus bruyante la Lancia par rapport aux autres, et là j'ai pas du temps. C'est les IA qui m'ont fait perdre quelques secondes. Quand vous tapez, on va encore plus de temps.
Alors j'ai cette vue aussi, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, qui est vraiment la plus impressionnante. D'ailleurs à l'époque ce tracé là était le plus connu hein, parce que c'est c'est dur en fait. Et il y a un quatrième circuit disponible si vous réussissez la troisième course. Regarde, je vais même pas finir 10ème sur 15 tout à l'heure, je vais finir 11ème. Autant dire que c'est vraiment mauvais. Hein, quoique si. Ah, c'était vraiment sur la fin. C'était vraiment sur la fin. Voilà, je peux faire yes, je peux revenir au départ. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'était la version PS2 de Sega Rally Championship 95, sortie en 2006. Alors ce qui est marrant, c'est que normalement je suis pas censé jouer à ce jeu-là, parce que si vous avez bien lu le disclaimer en début de vidéo, on n'a pas le droit d'y jouer en dehors du Japon. Voilà. Enfin, d'y jouer peut-être, mais en tout cas distribuer en dehors du Japon. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je regardais s'il n'y avait pas par hasard les sponsors Martini. Bah si, il y a Martini, regardez aussi. C'est la différence avec la version européenne, c'est que l'alcool est quand présent sur cette version. Et il me semble qu'il n'y a pas la... Ils y sont pas sur la version européenne. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.